N'a salué ou même qui branche télévision nationale d'Haïti dans le ça, c'est le téléjournal là. Nous comptons pour le pour mais quelques points pour le développer. Chauffeur qui sorti dans presque toute mairie dans le pays qui pral piloter camion, compresseur, président République l'a distribué by Mério, participé vendredi 3 juillet, 3 d'août dans une séance et formation. Direction générale police nationale, ensemble avec ministère conditions femmes et droits femmes, lancé jeudi à un projet pour renforcer capacité PNH là pour recruter plus femmes dans institutions policières. Pour deuxième semaine assise criminel yo nan palais justice Port-au-Prince, tribunal criminel là condamné Adeus Alexandre pour 9 années prison et puis libéré 6 moun. Nouveau bâtiment qui t'a dû recevoir cour supérieure des contentieux administratifs là presque fin construit, yon reportage sous avancement travail yo, c'est pral nan journal ça. Exercice simulation direction protection civile la rivée dans Boutli vendredi 3 d'août là, activité ça fait dans l'idée pour évaluer capacité centre opération urgence avec différents services dans département. Et puis à l'étranger, situation 442 000 Vénézuéliens pral régulariser dans cadre yon décret président Juan Manuel Santos validé pour réfugiés sa yo. Bénéficiaire statut temporaire sa a prêté pendant 2 années sous territoire colombien. Pas déplacé, n'a pas tourné dans un petit moment. L'autre fois, nous avons salué tout le monde et nous allons recevoir Wilmer Polidor qui va porter pour nous une nouvelle météorologie. Vendredi 3 août 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Là, nous sommes en début de week-end. Bon week-end à chacun de vous. Et là, on voit comment les conditions météorologiques sont sous bassin et Caraïbes. Nous avons une zone de haute pression qui est renforcée sous la région Caraïbes et Caraïbes centrales en bas en zone. Stabilité au cours de jeudi et qui a perduré jusqu'à demain. En attendant une nouvelle onde tropicale qui a brûlé sous nous dimanche dans la soirée ou au cours de journée. Là, ce sera jeudi, on a bien longtemps qu'il y a vent avec soleil sous le pays d'Haïti et température à la hausse sous majorité départements. Mais sauf que en soirée, il y a quelques départements qui ont possibilité pour gagner quelques gouttes de la pluie. Et j'en aurai là, département Artibonite capable de gagner quelques gouttes de la pluie. En soirée, un aussi capable de joindre un département du centre et à la rigueur département de l'ouest ou l'extrême sud-est. À part de ça, tout pays a ses beaux temps cap gain au cours de journée avec quelques passages nuageux en après-midi en soirée avec en département de notre cité là, gain possibilité pour gagner quelques avec l'appli. Pour capitale là, avec zone qui environne l'eau, c'est un capital qui a vu de stabilité au cours de jeudi avec vent et puis soleil au cours de journée. Quelques passages nuageux en fin d'après-midi et en soirée. Les possibilités pour gagner la pluie sont très limitées. Mais sauf que Kasekhi qui au sud de capitale pays d'Haïti, il y a une possibilité pour gagner quelques avec la pluie surtout sous tête Monio et température aujourd'hui à la hausse. C'est 36 degrés Celsius la pluie. La fait très chaud au cours de journée. Et pour nous, c'est 24 degrés la descente et l'absence de chaleur non seulement au cours de journée mais aussi en soirée. C'est vous ça demandé si mon petit avec mon qui a joué pour consommer en pile de l'eau parce que la fait très chaud non seulement en journée et en soirée. La mer non seulement agitée sous côte sud du pays d'Haïti et même dans le fond de la mer, ça veut dire au large, faut qu'on prenne pile précaution parce que y a un gros vent qui souffle Jean-Noël sous région sud là, mais pour nous avec Gove Agona son mère qui peut agiter ou capable de naviguer sauf que je dois éviter le large et pour page astronomique là je dis à soi elle a couché à 7h22 minutes et l'a levé le matin à 6h29 minutes. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end.
Président République là, Jovenel Moïse remet jeudi 2 août la clé 37 camions compressifs par l'administration communale qui dans différents coins dans pays spécialement dans grand ville. Distribution camion sa yo d'après chef l'État rentré dans cadre support exécutif la pote bay collectivité yo dans cadre programme assainissement différents communes yo. Sabine Jean-Étienne, Jean-Naël Duvernay. Jean-président République là, Jovenel Moïse te promet ça, équipement pour faire travail assainissement dans tout pays a commencé arrivé. Journée jeudi 2 août là, chef l'État remet clé 37 camions compressifs qui pral dans diverses mairies dans pays a en attendant l'autre camion venir pour renforcer travail là. C'est une véritable opération ville propre qui démarre. Tout pays, toute ville, grande ville dans pays a. Tout là bon compressif. Si nous voulons faire un exercice, nous allons mettre gros villes, nous allons mettre Point de Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Hinch, Mibale, Léogane, Point de Paix, toutes gros villes, Kai, Jacques Mel, Jérémy, nous avons tous les camions là, gros villes. Nous avons tous les gros camions, ça, c'est l'argent taxe, ça, c'est l'argent impôt, ça, c'est l'argent qui peut le servir. C'est comme ça qu'on a fait l'agence à tourner sous forme de service pour. Camion ça là est spécialement pour faire la propreté. Ramasser Fatra dans une série zone, côté Fatra, te tourner adresse ou soit profler devant Kayak Business Moon. Flotte camion ça a vini dans le moment la pluie qu'on tombe et surtout dans le moment nettoyage à fait pour préparer rentrer l'école là. Série distribution matériel ça yo fait partie priorité caravane changement qui visait changer figi pays à travers une réelle décentralisation. Yon pi bon infrastructure et surtout yon vaste programme la propreté sous ensemble territoire national là. Sous demande, service métropolitain collecte et résidus solides, SMCRS, compagnie automobile Automeca, organisé vendredi 3 août là, yon séance formation pour chauffeurs qui prennent gain pour piloter camion compressif, président République la distribué by Mairie. C'est presque chauffeurs qui sortit dans toute mairie dans le pays qui participait dans séance formation ça. Anne-Marguerite Auguste, avec Michel Joseph. Formation ça, c'est pour permettre chauffeur qui pourra l'utiliser compresseur ça yo, gain plus connaissance et capacité pour manœuvrer matériel yo. Responsable Automeca avec SMCRS là, fait qu'on ait initiative là, c'est pour permettre chauffeur yo faire travail yo avec plus précision et puis qu'on ait chaque dimension pour yo utiliser dans camion yo, dans cadre travail yo. Bon, c'est plus gros travail, moi t'ai qu'à dire président. Il était qu'à faire parce que si toute population constate que la rue n'est pas propre, pas de matériel, c'est ça qui était ouais dans les yeux par lui. Il était choisi et faire gros pas ça et de promettre ça dans la campagne. Il était dit que la fait tout moins impossible pour nous faire des machines, pour nous faire nettoyage. Et quand nous avons aussi posé une formation comment pour manœuvrer, parce que si on a un problème, quel que soit le département, il est obligé de nous-mêmes comme techniciens pour le dépanner. Nous pensons que tout y a des compétences. Parce que nous suivons et nous prenons formation en tout, nous croyons qu'il y a des manœuvres quand même. Chauffeur, je remercie les responsables pour la formation, qui apprennent le plus efficace dans le travail. La formation que nous prenons là, li bon pour nous en pile, limonade, mais si m'gen kap mette Fatra yo, fom ta fè yon formation avec yo tout, pour yo ka comprendre que comment pou taper ze bouton, pour yo entrer Fatra, moi mè si m'dan en volant, et puis pour nous jeter Fatra encore. Magistrat yo salye détermination, président République là, Jovenel Moïse, qui toujours longe men bay collectivité yo. D'après yo, j'ai ça à montrer à quel niveau chef l'État sensible à belté pays a. C'est seulement un petit cancer depuis près de 12-13 ans de gain qui n'est pas capable de faire service. Mais dernièrement, nous avons fait un pile effort. Nous avons une aide qui te permet d'acheter un cancer. Mais coulier là, sont l'autre bagaille. Là, nous avons dit le gâteau coulier là. Pour qu'est-ce qu'on peut opter? Qu'est-ce qu'on fait la première ville qui peut propre dans la métropolitaine? Je vais vous rassurer ça. Nous travaillons pour nous, si nous avons des sites de décharge, et nous féliciter, nous comptons, nous disons président merci, et pour l'effort que fait pour la commune. Ce n'est pas nécessité à seulement gagner, c'est nécessité pour faire assainissement dans la ville.
et n'a pas travaillé pour nous voir avec Saint-Louis Port. Nous constatons par geste ça, livrer vos et projectel by mairie by collectivité. Je me sens ça avec un sentiment de joie qui n'a pas voir que les machines ça qui sont machines compressives pour nous permettre que au moins nous capable bailler population en service. Je pense que les organes bien contents après recevoir compressif ça parce que c'était rêve nous travail de manière à ce que pour nous gagner une commune qui propre, une commune qui attire le monde côté tout le monde capable envie pour venir. Nous disons grand merci avec le président Jovenel qui prend l'initiative ça pour le doter communaux de matériel neuf ça qui pour permettre les magistrats joindre un part de visibilité en dans la commune. Parce que une commune qui propre, la PD santé mounio et la PD magistrat pour le travail. Nous espérons que le gouvernement continue à fonctionner avec la collectivité territoriale là en façon pour nous capables de gagner équipement pour nous travailler. Parce que c'est la collectivité territoriale qui soutient le travail en même temps président qui prend crédit même avec nous-mêmes qui magistrat. Distribution camion compressif Sayo qui peut ramasser Fatra dans tout le pays fait partie pour mes présidents républicains pour bailler le pays à l'autre visage. Président République là pendant le tap promet camion yo souligner des gaffes Fatra causés sous santé monde. Chef l'État encourage mairie yo bien utiliser matériel sa yo pendant li bay mairie yo qui pour joindre yo garantie et ap joindre pa yo. Nouveau bâtiment qui doit recevoir cour supérieur des comptes à contentieux administratif là presque fin construit d'après ingénieur résident chantier travail là qui à 80% presque fini. Johnny Abicaseus et Henri Robert Chéri t'es visité chantier puis un reportage. Jean-Pierre Moun capable constater ça dans zone riche en Masla, cité administrative là commencé bourgeonner en bas la ville là. Bâtiment public l'État après construit dans zone là commencé bas riche en Masla avec zone qui dans environ lieu yon l'autre aspect. Parmi building ça yo, nous capable citer espace 4 gain pour recevoir la cour supérieure des comptes à contentieux administrative là. Chantier ça qui dans phase terminale trouvé li dans en riche en Masla à cri de la Réunion. Il y a 6 niveaux avec une capacité pour recevoir environ 60 machines. Selon ingénieur résident, plus fort travail qui est en fait. C'est retouche peinti, installation toilette et porte qui était comme gros travail sous chantier. Ingénieur fait qu'on est, travail qui doit finir avant fin année. Exercice simulation direction protection civile là rivé dans Boutli vendredi 3 août là activité ça fait dans l'idée pour évaluer capacité centre opération urgentio avec différents services dans département yo. Simex la té occasion tout pour sensibiliser population sur comportement yo doit adopter les gagnent catastrophes naturelles. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans à Kervé Pierre. Objectif qui fait que nous faisons justement simulation ça, exercice ça, c'est pour justement évaluer, pour nous garder qui gens, couillot, centre d'opération d'urgence, capacité, qui gens le carriage. C'est pour évaluer tout et qui gens vous comprennent, qui gens vous mettez en application, plan stratégique que nous mettons sous pied. Pour nous, qui gens vous comprennent, qui gens vous réagi par rapport justement à plan et à procédure qui existait déjà ou bien qui existait déjà dans le coup. L'autre bagaille tout que nous avons évalué, c'est évaluer la capacité de service d'urgence dans la ville. Bon, ou bien ville et au okay, qui j'en peut-être et censé réagir, là on a parlé de EDH, TPTC et santé, c'est santé et la police qui j'en a réagi rapidement leur bon problème. Ça n'a pas eu de et dans ville au okay, et dans Ilavache et dans Fondeneg et à Miagouane qui j'en service ça réagit rapidement par rapport à un danger qui est sur. Et grâce à ça, tout permet nous tout qu'à évaluer justement communication ou bien et interaction entre différentes instances qui existent. Si on va arriver là, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec instance qui est TBTCA, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec PNH, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec les centres de santé, qui j'en qu'à communiquer rapidement tout avec le ministère de l'Environnement qui a apporté des solutions avec nous. Donc c'est comme ça que l'exercice ça pour permettre nous capables de comprendre toutes les procédures qui mettent sous pied, qui gens, eux-mêmes, ils ont réagi par rapport à leur danger arrivé.
Eh bien, par rapport à ça, le ministère intérieur lui-même, tout ça qui a passé dans ces zones. Nous ne pas laisser le bagage à la fin arriver pour nous réagir. Nous-mêmes, nous avons fait que nous préparer bien avant. Responsable direction protection civile, a choisi département sud ACNIP pour exercice CIMEX 2018. Yo. Activité ça a été occasion pour responsable DPCO réaliser plusieurs qualités simulations. Yon extrait. Donc, année ça, simulacre la saleté, c'était que justement que nous prenons, on crée une situation côté que des grands bateaux qui étaient à faire naufrage au large de la ville de Caille, dans le canal là, bon, il a vache, et nous demandé pour que les gardes-côtes, avec assistance Semana, intervenir pour aller repêcher Mounsayo. Et effectivement, monsieur Damio fait un travail extraordinaire côté que, effectivement, de manière réelle, il y a allé, il y a repêché Mounsayo, il y a mené justement, et ils ont mené à l'abri, ils ont mis sous côte là et protection civile avec toute unité d'urgence qui vient dans la ville locale prend en charge. M'a parlé là de santé, m'a parlé là de pompiers, m'a parlé de tout le monde. Prend en charge et justement commence mettez au côté pour y aller pour y capable prendre soin. Toujours dans le cadre simulacre, nous avons évacué une partie de la population il a vache là qui lui-même justement que nous avons simulé comme quoi que l'état dans situation et de désastre. Donc nous avons évacué une partie de la population ça que nous avons mis en abri justement et nous avons activé comité communal il a vacha. Nous avons activé tout comité communal ville des Cailles qui lui-même t'est retrouvé là avec un scénario côté que tu as commencé une inondation et de ce fait nous t'est venu obligé activer centre opération d'urgence départementale sud là. Et même situation nous créer une situation similaire tout dans le département des NIP côté que centre opération d'urgence départementale des NIP t'est activé parce que nous t'est créé un scénario et qui t'est passé dans le fond des nègres et dans Miragouane. Et j'en nous connais pour que justement, dès qu'on arrive dans une situation côté qu'on a plusieurs points qui sont activés, nous obligés à activer le centre d'opération d'urgence nationale là qui s'est coulé pour qu'elle soit capable de faire travail de coordination et porter assistance à centre d'opération départementale ça. La prenne a développé dans le journal ça, direction générale, police nationale là, dans tête collée avec un ministère conditions femmes et droits femmes, lancé vendredi 3 août là, projet renforcement capacité police nationale là, pour le capable de recruter plus femmes. Projet ça, joint bourrade, technique, ONU femmes. Stéphanie Charles, Hervé Pierre. Pour une meilleure représentation femme dans la police nationale là, responsable compte former une classe préparatoire dans l'idée pour faciliter plus femmes intégrées et puis réussir dans l'examen PNH. Responsable coordination aux affaires femmes dans PNH là, commissaire divisionnaire Marie-Louise Gauthier, et directeur général de la police nationale là, Kélan Gédéon, dit espérer atteindre objectif fixé. Nous pouvons aller dans le quartier Aricio à travers les organisations de femmes pour nous entretenir avec mesdames et puis nous pouvons sortir des formes qui ont rempli et là nous avons fait des sélections pour faire classe préparatoire. Ça. À cet effet, nous avons formé un comité de pilotage qui pour travailler pour ça pour atteindre l'objectif. Sous notre leadership, on s'assure que les femmes ne sont pas seulement confinées à faire pour travailler de sécurité, comme vous l'avez si bien précisé. Mais qu'elles sont tout aussi impliquées dans toutes les activités de police généralement dédiées aux hommes. Nous attendons encore que d'autres cadres puissent exploser pour qu'elles viennent renforcer l'état-major de l'institution. Ministre Condition Femmes et Droits Femmes, non, Eunice Innocent, plaide pour égalité femmes et garçons. Il fait qu'on ait capacité en monde pas chita dans sexe. Parce qu'en fait, nous connaissons la police nationale là, c'est une institution qui n'a pas échappé, m'a dit, à stéréotypes qui a gangrené dans la société, qui fait comprendre que jusqu'à présent, que il y a quelques métiers qui nécessairement réservés à garçons et que femmes pas la donne. Tout bagaille, c'est dans le cerveau que lié, c'est pas dans le sexe que lié. Représentante ONU Femmes, au QDD, souhaitait une inclusion sociale, côté femmes, yo a besoin un accompagnement, yo mérité dans la société. C'est un projet innovant dans la mesure où il vise à renforcer la participation des femmes, la représentation des femmes dans la police haïtienne. Et en utilisant justement des stratégies pour adresser les causes
aussi sous-agente d'une faible représentation des femmes. Important, innovant, inclusion sociale et accélération de la réforme. Voilà. Renforcer capacité plus femmes dans la police nationale là, et puis garantir participation femmes dans toute décision dans la vie nationale là, c'est objectif projet ça, cap dire 6 mois, qui joue un appui ONU Femmes, mission Nations Unies pour assurer la justice dans le pays d'Haïti. Nous allons poursuivre avec un tribunal criminel qui condamné Adeus Alexandre pour passer 9 années en prison et puis libérer 6 personnes dans le cadre assises criminelles avec assistant jury qui déroulait sorti lundi 30 juillet, rivé jeudi 2 août là, dans le palais justice Port-au-Prince. Responsable a présenté bilan deuxième semaine assises criminelles. Le reportage c'est quoi pas qui à Fresnel Toussaint. Yon condamnation, 6 libérations, c'est bilan provisoire, deuxième semaine assise criminelle avec assistant jury qui a déroulé depuis lundi 30 juillet 2018 là. Tribunal là a continué à assise qui a bout vendredi 10 août 2018 là, toujours dans l'idée pour combattre détention préventive prolongée. Dans le cas d'assise, tribunal criminel là déjà attendu 16 cas sur 30 y a gagné pour prononcer yo. Vol, assassinat, tentative assassinat, infanticide, homicide, enlèvement à séquestration, c'est principales causes qui traitent dans assise criminelle avec assistant jury. Vous avez des spectateurs, li fait moment pour nous prendre deuxième pause. Nous dans le téléjournal là, nous tourner. Le journal Labra poursuivre avec directeur bureau national examen l'état Bunex et professeur Renaud Michel qui dressait vendredi 3 août là bilan résultat épreuve officiel yo pour l'année académique 2017-2018 là. Pour 9e année fondamentale, département Latibonite devant avec 62% d'après directeur Bunex là qui précisait résultat baccalauréat pour reste département tant que l'ouest Latibonite a disponible dans week-end ça. Professeur Renaud Michel profite annoncé session extraordinaire baccalauréat a déroulé semaine 13 août là. Plus explication dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge. Bon, nous capable dire examen a passé très bien. Et pour 9e année et nous finissons totalement avec tout résultat. Donc tout département a un résultat déjà. C'est ainsi que nous avons la Tibonite qui est un taux de réussite de 62%. Nous avons l'Ouest qui a un taux de réussite de 73% dans 9e année. Sud, c'est 52%. Le Centre, 54%. Nord-Est, et ben, 59%. NIP, 62%. La Grande-Est, 62%. Le Nord, 66%. Sud-Est, 69%. Nord-Ouest, 65%. Donc, pour 9e année, et bien, tout résultat a fini bail. Pour baccalauréat, nous avons 6 départements que nous avons déjà. Et bien, actuellement, nous avons phase finale pour l'autre département, à savoir l'Ouest, la Tibonite, le Nord et le Nip. Donc, nous sommes sûrs que dès demain, et bien, le résultat sera censé préparer, et bien, pour que nous sommes censés boucler le résultat pour le baccalauréat. Le ministère de l'Éducation a été fixé date là le 13. Eh bien, nous-mêmes, on a fait tout effort pour que lundi 13 août, et bien, ça allait toujours respecter. Eh bien, c'est ça, fait, on a mis les dernières mains dans tout, dans le département qui était là, pour que semaine ça, eh bien, avant dimanche, eh bien, nous publions tout le résultat, ça. De l'autre côté, professeur Renaud Michel qui t'a prononcé le sous cas spécial, yo fait qu'on yo joindre en pile cas irrégularité dans données qui concernaient élèves yo. Professeur Renaud Michel souhaitait directeur l'école yo faire preuve responsabilité pour éviter situation ça répéter. Toujours dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge, yon extrait. Bon, effectivement, t'es un pile monde qui t'a le composé dans cas spécial. Près de 4000, près de 4000 à 5000. C'est nous qui l'avons composé. Mais nous avons fait un traitement de tout cas ça. Et que nous avons vérifié chaque élève en particulier. Et bien nous avons constaté seulement ces 334 dans tout ces monde qui réussit à respecter toutes les conditions. Et bien 334 ces monde qui et bien nous avons cherché à faire examen. Nous avons fait corriger. Et n'a préparé résultat pour eux. L'autre élève, eh bien, puisque vous n'avez pas rempli condition, vous avez pile dans
qui pas passé dans 9e année, grand pile là qui pas passé dans seconde, grand pile là qui pas passé dans retour, et puis grand pile là ou pas dans système là. Yo di ou te nan tel l'école ou fè 9e année, lo nan l'école la ou pa wè yo. Yo te fè seconde nan tel l'école, lo nan l'école la ou pa wè yo. Donc par conséquent, moun sa yo ou pa ka traité pou yo parce yo pa gen bon jan information. Ministère a décidé pou prendre des dispositions, et bien depuis date inscription arrivé, si on ti moun ou pa inscrit, et bien les ou pa jwenn avec directeur d'école ou a pou fè 10 mois, 11 mois à payer et ki pa pran responsabilité pou l'inscrit. Responsable Académie Formation ak Perfectionnement Cadre AFPEC organisé vendredi 3 août là, yon jounen pot l'ouvri nan occasion 26e anniversaire institution. Nan occasion responsable AFPEC yo bay information sou divers programmes tankou Perform AFPEC, yon projet formation professionnelle, LIMEA, yon programme licence en management ak entrepreneuriat appliqué. À travers programme LIMEA, responsable AFPEC yo visé non seulement changer façon jeune yo penser nan question entrepreneuriat, mais tout former 10 000 entrepreneurs. An suive yon extrait nan précision président conseil AFPEC la met Henri Marge d'Orléans qui était dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. AFPEC son institution qui là depuis 26 ans, un quart de siècle. Donc nous formons un paquet de bonnes monde qui l'administration publique, qui dans ONG, qui dans entreprise privée. Mais nous sommes toujours concentrés sur le monde qui travaille déjà. Des professionnels qui déjà dans le milieu et puis nous avons l'autre formation continue. Mais depuis quelques temps qu'on y a, on a lancé un programme d'entrepreneuriat. Parce que nous avons comme objectif pour nous former 10 000, pour nous payer 10 000 entrepreneurs. Ça passe, c'est que le gros problème pays a son problème de jeunes qui n'ont pas de travail pour faire. Il y a l'école, il y a fait l'université, mais il tout c'est un petit CV comme Abraham et puis il y a besoin de chercher job. Mais job pas existé. Parce que en fait, dans l'État, il y a environ 85 000 emplois. Et puis si on mettait ça qui existait plus ou moins dans l'ONG, dans le secteur privé, ça fait environ 500 000 emplois dans le pays. Pendant ce temps, il y a près de 5 millions de monde qui ont besoin de travail dans le pays. Ça veut dire que c'est un travail qui gagne pour 10 monde. Donc avec ça, on ne peut pas avancer. Jeunes ont besoin pour outiller, pour comprendre que c'est dans l'entrepreneuriat pour y aller. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas un petit business, acheter deux, trois bagages, ou mettre là devant et pour bailler. Ce sont des sciences liées pour apprendre ce qu'il y a pour faire. Parce que si vous ne parlez pas de ce qu'il y a pour faire, vous allez commencer, vous commencez un petit business, à acheter des bagages, vous vendre, etc., etc. Et puis après deux, trois jours, vous pas dans le business encore et vous décourager. C'est même gentil qu'on parle de jeunes pour diable, vous commencez un petit business, c'est vrai, mais vous ne pas même croire dans ça affaire. Parce que pendant que vous commencez un petit business là, en même temps, vous cherchez travail. Vous avez CV à et puis, il y a un petit business pour vous dégager. Logique, là, ce n'est pas comme ça. Donc, nous avons besoin de changer gens, jeunes filles, jeunes garçons, penser dans le pays, dans la question de l'entrepreneuriat. Première dame République, la Martine Moïse, fait une visite à Koutouazi, mardi 31 juillet, dans l'école nationale Ségui Villevalesque, dans Port-au-Prince. Objectif faire visite ça, c'est pour première dame, non, renouveler support, bah, une initiative qui portait non, préfac changement, un groupe étudiant, dans l'université l'État, mettait sous pied, en faveur plus passer 200 jeunes, capparés, pour entrer dans la faculté l'État. Sabine Jean-Étienne, Jean-Naël Duvernay. Préfac Changement, c'est une initiative une vingtaine d'étudiants différentes facultés dans l'Université de l'État mettent sous pied pour aider plus jeunes filles et jeunes garçons qu'on est qui gens pour préparer examen rentrée dans l'Université de l'État. Actuellement, il y a environ 277 postulants qui suivent cours dans le domaine agri-médical, sciences humaines et sociales et l'autre encore. L'activité a été faite dans l'objectif qui est très clair, c'est aider avec postulants, aider avec ces gens qui sont dans le baccalauréat, joindre des bagages pour les composer, surtout dans ce qui est à la faculté de l'État. Que nous connaissons une baisse dans l'éducation paysanne, ça veut dire que nous-mêmes qui déjà des étudiants qui là pour nous rendre service à la communauté, nous utilisons la formule ça pour nous aider l'autre
rentrer dans l'université de l'État sitôt et dans l'autre. Et support première dame, c'est qui signe le matériel. C'est support matériel, c'est des supports matériels que bah, nous. Alors, bon, sans maillot ou carré qui sont postulants là, ou sorti directement de première dame, non, c'est support matériel. Et qui importance support ça? Importance, disons importance capitale, parce que normalement, nous-mêmes, staff là, nous pas des gens qui, c'est pour la première fois, nous faisons préfac. Mais c'est pour la première fois, nous faisons préfac qui gagne, alors qui gagne petit monde en tissu et petit monde en plat chaud chaque midi. C'est-à-dire, support première dame, non, les vins bail ont grande visibilité avec activité ça et bail ont grande importance ensemble avec activité ça que l'initiative que nous entreprenons. Première dame République là, Martine Moïse, supporter préfac ça dans logistique et puis permettre participants de joindre un plat chaud pour manger chaque jour pendant tout mois préfac là à durer, sorti 23 juillet pour arriver 23 août. Pendant visite li a postulant yo, première dame nan encourage jeune yo fixe je yo sous objectif yo gagné pour réussir avenir yo et puis créer place yo dans société a. Nous c'est jeunesse là et nous c'est plus grande partie de population haïtienne là. Haïti compte sur nous en pile parce que Haïti après tant en pile nan men. Nous même tout bon côté pan. Faut nous concentrer nous gagne en pile d'outil que nous besoin pour nous arriver même pas c'est que gagne deux gros que n'a besoin. N'a besoin patience pour nous vivre. Parce que là, nous jeunes, nous très impatients. Automatiquement, que nous entreprenons nos bagailles, nous voulons que là, même pour la même, que nous réussissons là-dedans. Non. Créons la patience, n'a pas eu l'ombre de fumée. Donc, c'est patience pour nous gagner, pour nous réussir, ça n'a pas entrepreneur. On l'autre bagaille, si nous ne pas gagner encore, c'est discipline. Nous ne pouvons pas réussir en rien. Si vous commencez un bagage, vous ne pouvez pas mettre tête, vous ne pouvez pas poser tête pour réussir, pour travailler là-dedans, vous ne pouvez pas réussir là-dedans. Comme je dis, nous, pays a besoin, nous. Pays a besoin de jeunesse, nous. Parce que c'est avec elle pour nous aider à avancer. Songez que je me dis que nous-mêmes, nous là, ce n'est pas seulement pour aller travailler avec nous. Il faut nous créer une propre entreprise par nous. Nous deux, nous trois, mettre tête ensemble. Parce que l'entreprise ouais, que nous avons créée, c'est eux-mêmes qui peuvent aider Haïti. Aller sur route changement qu'il a besoin. C'est eux-mêmes qui vont aider Haïti pour se couper devant. C'est ça qui va le commencement de développement Haïti. Première dame République, Martine Moïse, prend plusieurs engagements déjà pour permettre Timoun Piti enregistrer dans tout système l'État depuis au fait. Nous accompagner Timoun qui est dans l'asile, nous aider jeunes filles et jeunes garçons à mettre plus de chance côté pour intégrer la faculté de l'État pour une cité, ça ou seulement. Et puis nous gagnons une équipe télévision qui jeudi a fait un coup projecteur sur préfac changement qui différentes disciplines et participants ont une chance de formation là-dedans. Stéphanie Charles, Hervé Pierre. C'est plus passé 260 bacheliers qui ont participé pendant un mois dans préfac changement. Bacheliers ont suivi cours dans diverses matières qui ont aidé à passer concours d'admission dans plusieurs axes tankou sciences humaines et sociales, agro-médicales et sciences. Coordonnateur général préfac là, Hilaire Emmanuel, féliciter et puis remercier la présidence qui d'accord si porter initiative là, pendant souhaiter préfac si là aider des jeunes yo intégrer plus facile espace universitaire. Nous avons trois axes, nous avons sciences humaines et sociales, nous avons agro-médical pour tout le monde qui a préparé faculté d'agronomie, faculté de médecine, nous avons sciences durio pour tout le monde qui a préparé faculté des sciences CTPEA et d'autres. Alors, c'est arrangement ça nous fait. Attends, nous gagnons deux préfacs là. C'est aider les gens à planifier, arranger pour aller composer dans l'université de l'État surtout. Et nous-mêmes, ça nous souhaiter, c'est à gagner un bon pourcentage de gens qui réussissent dans l'université, l'État en particulier. Ça nous besoin comme satisfaction côté jeunes intégrés, espace, faculté et nous même qu'à servir pays demain. Quelques bacheliers sous Bopayo fait qu'on est satisfait parce que préfac changement et de canal. Yo sous choix yo doit faire pour études universitaires. Je trouve que c'est une bonne initiative. Moi-même spécialement lié afin que me canaliser de certaines notions que me pas trop bien adapté à ce qui a trait avec études scolaires moi et connait moi vinn là, yo aider me permettre à ce que moi orienter et pas mal composer en axe que me brailler qui c'est agro médical, yo permettre à ce que yo former, yo mettre des trucs que me pas gain, yo permettre moins bien acquérir des notions que moi pas connais avant. Je trouve que c'est une bonne initiative que yo te prend pour mettre préfac changement sous pied. Lié d'em en pile et moi remercie en pile du fait
fait que yo t'ai pensé, yo t'ai chita pour yo penser et en sorte que yo t'ai metté préfax ça sous pied. C'est vraiment une initiative qui monte comme si ça me dégaine la caméra, comme si en tant que vide, en tant que bail que me devais mal proposer et comme si des bail me dégaine la caméra qui me pas connaît tout. Préfax changement commencé 23 juillet, la bout 23 d'août cap vini là. Yon initiative plusieurs universités l'état souhaité kembe. Responsable l'hôpital Adventiste d'Haïti a organisé 5 août cap vinila cap dimanche yon activité qui pote nom Festival de la santé dans Pétionville. D'après directeur médical l'hôpital ça docteur Franck Généus, activité ça permettre grand public là faire connaissance avec yon ensemble méthode cap permettre yo rester en santé. Yon extrait dans micro Serge Niolendor. Dans le festival santé, il y a trois parties là-dedans. Il y a une partie exposition. Côté moun yo pral poser question à des experts, yo pral wè semos là, yo pral wè d'autres produits que nous gagnons, yo pral wè d'autres produits, d'autres partenaires que nous gagnons. Ma première c'est ce partenaire parce que ça yo même festival là pas possible. Mm-hmm. Festival là c'est 250 goudliers et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement cher. Ki moun ki ka vinn là-dedans et n'a commencé à kilo, n'a fini à kilo. Et festival là li pour tout le monde. Li pour tout le monde et d'autant plus pour tout le monde que nous rendons extrêmement accessible 250 gouttes pour capable entrer et passer journée à faire une demi-journée avec nous. On a commencé à 10h, on a fini à 2h de l'après-midi. Dans le festival là, il y a trois parties là dernier. Première partie c'est exposition Jean-Pierre Doulan. Deuxième partie on a gagné une présentation scientifique avec les 5 piliers de la bonne alimentation avec 6 experts qui vont présenter nous de 3 nationalités différentes. Nous gagnons Haïti, il y a 3 experts qui viennent de Haïti dont moi-même et d'autres experts. Nous avons un expert qui est déjà là, qui vient de Mexico, de l'université de Montemorelos. Nous avons un expert qui sorti des États-Unis, c'est Dr Ramirez, qui est directeur de recherche en matière d'éducation en santé totale et dans l'Institut Vema en Californie, qui a ensemble avec nous. Et nous avons un Dr Ekoto, qui est Camerounais, qui sera également avec nous. Donc, c'est vraiment plein. Et après, à la fin, le clou de la chose, nous aurons un concert. Et ça que belle dans le concert là, nous avons un concert. Ça que belle dans le concert là, nous allons agencer les chants de santé avec des chants populaires. On est monté Montana, on vient à 250 goudou, acheter 4 là directement sur place. Et nous avons capacité d'accueil. Moi, je nous espérer au moins 1000 monde. L'année dernière, nous avons environ 1000 monde. Et nous espérons que nous avons 1000 monde. Sur l'exposition, en général, nous venons y aller. Donc, nous avons une rotation là-dedans. Mais nous espérons au moins 1000 monde parce qu'en fait, nous voulons que ce jour lance une nouvelle révolution dans ce pays qui est la révolution de l'accès universel désormais possible à l'information et à l'éducation essentielle. Qu'est-ce que vous voulez venir dans le bazar en quelques secondes? Pour trois bagages. Premièrement, pour malades, pour besoin de qui gens pour jouer un accès à des ressources qui peuvent permettre de venir. Gérer maladie en pied, ça c'est intérêt. Deuxièmement, vous sont professionnels de santé, ou gagne intérêt venir voir qui ça va passer parce que c'est des informations scientifiques. Troisièmement, ou c'est un monde dans communauté à professionnels de santé ou pas professionnels de santé mais estimer que ça intéresse pour ta forme un club de santé, on en a pas parlé malheureusement, mais nous gagne plus que 127 clubs dans 10 communes qui déjà travaillent, ou besoin de créer un club de santé mais on pas ni connaissances ni compétences ni ressources matérielles pour faire li, vous avez maintenant les CEMOS qui vont toutes les ressources, li bon même des présentations par opet qui déjà là, c'est en projeté et pour présenter des choses. Avec 3, 4, 5, 6 moun sous 4 yo, n'a parlé de sexualité, n'a parlé de choléra, n'a parlé de toute maladie yo, sans que ou pas de contraintes. N'a pour l'autre pause dans le journal là, l'aile nous tourner dans la nouvelle internationale. Et j'en désolé, dans le grand titre, il y a un total 442 000 Vénézuéliens pour bénéficier de situation de régularisation temporaire pour être sous territoire colombien. Décision, ça, président Juan Manuel Santos, validé dans un décret, a permis aux réfugiés de bénéficier d'un statut temporaire pour 2 années. D'après Juan Manuel Santos, délai 2 années, ça permet de jouer une chance pour tant de situations changées dans différents domaines. Dans le pays Venezuela, chef l'État colombien Henri Tecoet de Machli a fait partie souci pour porter support par les Vénézuéliens et Colombiens qui sont dans une situation difficile. Avec ce décret, nous allons régulariser les plus de 440 000 Vénézuéliens qui se sont déclarés. Nous allons leur accorder un permis de séjour spécial de 2 ans. Nous continuerons à soutenir les Vénézuéliens et les Colombiens qui reviennent au pays, de la même façon que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est un impératif éthique. Le
qui sorti presque dans toute mairie dans pays qui pral piloter camion compresseur président république là dissipé vendredi 3 d'août dans une séance formation. Direction générale police nationale là ensemble avec ministère conditions femmes et droits femmes lancé jeudi à un projet pour renforcer capacité PNH là pour recruter plus femmes dans institution ça. Pour deuxième semaine assise criminelle, yon nan palais justice Port-au-Prince, tribunal criminel là, condamné Adeus Alexandre pour 9 l'année prison et puis libéré 6 moun. Nouveau bâtiment qui t'a doué recevoir, cour supérieur des comptes et contentieux administratif là presque fini, ou te suivi un reportage sur avancement travail yo nan journal ça. Exercice et simulation direction protection civile là arrivé nan bout li vendredi 3 d'août là, activité ça a été fait maintenant l'idée pour évaluer capacité centre opération urgentio avec différents services dans département yo. Et puis à l'étranger, situation 442 000 vénézuéliens pral régularisé dans cadre d'un décret président Juan Manuel Santos validé pour réfugiés sa yo bénéficier statut temporaire ça prêté pendant 2 années sous territoire colombien. C'est tout ça nous te porter pour avec un pilote d'information bien sûr. Merci à vous-même qui t'es prêté nos attentions. Merci à tout le monde qui t'es participé pour permettre le journal ça possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie Télévision Nationale d'Haïti chaîne 8.